Je veux monter là-dessus. Tu peux pas monter sur toutes les créatures que tu vois non plus. Pourquoi il y a... Faut vraiment arrêter de vouloir tuer tout ce qui bouge. Arrête de vouloir la monter. Je veux la soumettre et l'utiliser à mes fins. C'est pas fait pour être du côté de la force, hein. Avance, espèce de créature. Miss a allé au pôle emploi. Pardon. Bon, y'a pas de soucis, hein. Moins vite. Bon, c'est pas ça que je visais, je vous le dis, hein. Oh, ça non plus. Quand j'y pense, c'était vraiment kitsch que les druides ils parlent avec une petite voix aiguë. Ouais, c'était vraiment la vision. Vraiment un peu ridicule, genre. Le film serait sorti maintenant, ils auraient pas du tout une voix comme ça, hein. Capturez la reine. Capturez la reine et nous la faut à tout prix. L'effet est parfait. C'est elle la reine. Je suis Padmé, une des suivantes de la reine. Ouais, c'est ça. Elle se fait passer pour la suivante, mais c'est Padmé la reine. Ah, Padmé. Ah, tu peux rien dire. Tu es qu'une servante, ma belle. Tu vas ruiner ta couverture. Tu as vu, Epic Games s'associe à Lego pour créer un métaverse. Oh waouh, je me demande bien si ça veut dire qu'il est disponible sur le store d'Epic Games, à savoir l'Epic Games Store. Bah alors non seulement il y est, mais en plus, quand tu vas dessus, tu peux mettre le code créateur Wankill. Et là, je te raconte pas. Et avec ça, l'avantage, c'est que tu nous soutiens, c'est cool. C'est ça, c'est l'avantage de dingue. Quel délire, c'est un truc de ouf. J'ai besoin que quelqu'un m'explique ma place dans tout ça. J'ai besoin que quelqu'un utilise le code créateur. Luc, je suis le lien dans la description. Alors pour ceux qui connaissent pas les jeux Lego, ils sont tous exceptionnels. Et en gros, quand c'est des jeux Lego qui font référence Star Wars, Seigneur des Anneaux, Batman, bah ça va mettre de manière très condensée et léger, un peu drôle, tout ce qui se passe dans l'univers. Donc si vous avez des refs, généralement le jeu est encore plus appréciable. On va se faire striker notre grand-mère. 100%. Adieu la monétisation. On est foutu. Frodon Saké. C'est toujours trop triste quand on voit que c'est des humains derrière, sur les Stormtroopers. C'est pas grave, c'est des clones. Non. Tu vois, là il avait l'air méchant, là il a une famille. Dommage. Méchant, père de deux enfants. Ah, ah j'ai une famille. Oh. Ah j'ai une maison à crédit, arrêtez. C'est pas des clones. Pourquoi c'est pas des clones? Ah des clones c'est dans le 4, 5, 6, c'est pas encore des clones. Ouais, donc là ils ont vraiment des familles. Oui là c'est vraiment des gens normaux. C'est moi, tu te trompes depuis tout à l'heure. Bah. Ah faut... j'ai compris là. D'accord. C'est pour les enfants de 8 ans, c'est juste que j'attendais pas en fait. J'attendais pas que ce soit dans le cercle, donc j'ai 7 ans, je ne peux pas jouer au jeu. Dommage. Merde. Alors, est-ce que j'ai compris? Tu vas y arriver? Ah. Ouais. On est très fiers de toi avec ta mère. Ah, j'ai compris, hein. Ouais, il est vif, hein. En plus, il s'arrête. Il s'arrête, regarde. Ouais. Oh non. Oh non. Pff, mais j'ai rien compris, maman. Oh non, il a encore mis sa cuillère de céréales dans ses fesses. Maman, j'y arrive pas. De quoi s'attendre? T'as ce petit côté malsain qui fait que tu veux absolument retirer leur casque pour voir qui se cache derrière. Avant de tuer, j'aime bien savoir qui y a derrière le casque. Vous êtes une femme? Vous avez un enfant? même tarif. C'est pareil. J'en ai vraiment assez de toi, pauvre tas de ferraille. C'est trop PO qui commence à dire. J'en ai assez de toi, espèce de... Il est trop pratique, R2-D2. Très agréable à conduire. Quoi? Tiens, grosse merde. Mec, j'ai cru qu'il faisait autre chose. Hein. Ah, attends, je vais le réassembler. Regarde, remets-le et refais-le. Calère. Beauté des îles. Et on va souquer. Il souquait de ouf avec ses droits PO là. Ton corps. T'essaies de me vendre de la camelote? Hé, hey, c'est Titoff! Hey, Titoff! Tu parles de Catop? C'est trop lui! C'était la voix de qui? On a vu? C'était peut-être le père d'Anakin. Les gars, il a fait un lapsus. Depuis tout à l'heure, ils sont en sang parce que t'as dit quoi? T'as dit Anakin au lieu de Luke. Du coup, ils sont tous ça? Ah oui, je trompe de nom. Oui. Luke, c'est le fils de Dark Vador. Oui, pardon. Attends. Non, Anakin devient Dark Vador. Luke, c'est son fils. Je me mélange les pinceaux, vous avez compris l'idée.
Vous êtes qui ou c'est... Ah. C'est ceux où on est... Anakin. Non, Luke. Luke pète un plomb et il les dégomme tous. Anakin. Ah, c'est Anakin. Oh, c'est... quand c'est pas l'un, c'est l'autre. Ah, c'est... Ah, vous commencez à m'emmerder avec Anakin et Luke, là. Mais si les avaient dans l'ordre ces films de merde, peut-être que je confondrais moi. Plusieurs créatures sauvages. Des hommes des sables. Des hommes des sables. Oh putain, j'étais chez vous tout à l'heure, tout allait bien, on buvait une tisane. C'est quoi ce bordel? Beaucoup moins de remords à la dégommer, eux. Oh oui, ils ont sûrement pas de famille. Ils ont pas de famille, ils ont pas de tête. Ouais, non. Wow. Alors là, il y a un méga truc. Alors là, il y a un gros trésor derrière. On va y aller. Grappin, grappin. Ah, t'as quoi? T'as une minute pour y aller? Je sais pas où faut que j'aille. Il y a forcément quelque chose. Ça, oui, tu casses et tu construis. Je construis. J'espère que le temps va se re-augmenter quand tu vas abaisser un levier. Mais c'est quoi cette caméra de merde? C'est ok, il faut aller. Ah, celui-là. Rendez-moi du temps. Bah non, bah, salaud, y a pas de temps en plus. Le hardcore gaming. Enzo pourra jamais le faire. Si Matteo a réussi à le faire, tu devrais pouvoir y arriver au deuxième essai. Sinon, ce sera une humiliation. Six and a half hours later. Matteo en train de m'humilier. Quand je pense que le petit Dylan a réussi du premier coup. Je suis trop con. Mais merde. Et pourquoi pas mettre ces 3 PO quelque part? Ouais, je pense qu'il y a un délire comme ça. Et ça se trouve, il peut faire les interactions à ta place. Enfin, genre tu switches et... Toi, mais déjà, réassemble-toi. Reprends ta vie en main. Mais Enzo, comment secondes. T'as fait? Plus qu'un. Et c'est celui qui est tout en haut. Oh non, mais là. Mais ouais, oh mais non, là, c'était le dernier. C'est bon, la prochaine, les gars, elle est 100% gagnée. Parole de Thomas, 8 ans. 25 secondes. Allez. Oh là là, c'est bon. Mettez-moi en 12. À moi, le trésor. Oh, le crack. Waouh. Oh, Timéo qui reste bouche bée devant le move. Et voilà. Quoi? C'est de la merde. On gagne rien? J'ai juste une mission, peut-être qu'on débloquera des trucs à la fin. 2 sur 1100. C'est beaucoup trop, presque, putain. Bah les gars, j'ai ruiné le fun. Y'a pas de raison de danser maintenant. Arrêtez de vous amuser, putain. Oh, c'est vraiment moi le boss de cette ville, putain. T'es vraiment pas obligé de défrayer la population, hein. Je fous vraiment un sacré bordel, dégagez. Le Jedi terroriste là qui veut le chercher. Dégagez. Vous aussi, dégagez. Oh, putain, mais ils écrasent les citoyens. Halt. Regarde, tu les aplatis. Laissez-moi passer, c'est très important. Influencé. Oh, wow. Tu le contrôles. Je suis dans sa tête. Oh. Oh, salut les gars. Ah mais je vais ouvrir le portail pour ces individus. J'ai vraiment envie de l'ouvrir. Bah pour tous ceux qui veulent le jeu là, qui font quoi? Bon, sur Epic Game Store, ils mettent le code créateur tranquille et ils l'achètent. C'est très rapide. C'est très efficace. T'as mis une balle dans la tête d'Obi-Wan, je l'ai vu. Il y a eu quelques TK, mais t'inquiète, il l'a arrêté avec la force. Ah d'accord. Aucun problème. C'est quoi? Ça, c'est le fleuron de la technologie. C'est français. Ça te tue une demi-douzaine de Stormtroopers en un clin d'œil. C'est juste un aspirateur. Ça désoie le sol. Ah, tu vois, lui, il prend l'échelle. R2-D2, il est un peu con, il a pas de bras. Oh, pardon, Luc. C'est non, pas ce là, que tu crois. Là, c'est 4K, c'est pas... plein écran, 60 FPS, on a tout, on a la preuve. Oh, qu'il a désingué. Oh, je suis désolé, vraiment. Effet Mandela, il ne dit jamais dans le film « Luke, je suis ton père ». Ah, en fait, il dit... « Luke, I'm your big daddy Milky ». C'est ce qu'il dit exactement. Alors ça, c'est Obi-Wan jeune, pour ta gouverne. Ouais, c'est ça, tu dois encore te tromper. Alors, non. Ben si. Et tu es accompagné de... Anakin Skywalker. De Franck, un bon ami. Non, attends, c'est pas Anakin. Attends, non. Ah, Qui Jong, on n'est pas Obi-Wan, on est le mentor d'Obi-Wan. Ah, il va le monter, putain. Oh, je suis lui, carrément. Oh, je suis lui. Je viens d'écraser Obi-Wan. Oh, il s'est relevé. Je parie mon nouveau module contre, disons, le garçon et sa mère. Hein? Aucun module ne vaut deux esclaves. Le garçon. Oh, le bâtard. La mère, ouais. Elle va rester. Oh, le bâtard. Elle va se faire foutre. Elle reste esclave. Quel chien. Elle va perdre son fils, quoi. Je reviendrai te libérer, maman. C'est faux. Elle va crever parce qu'elle va se faire assassiner par un gang de mecs des sables. Oh, je vais les défoncer, c'est très grave. Hop, je vois une ouverture. Ok, ils vont beaucoup trop vite. Ça va super vite. Ils vont trop vite. C'est des ouf. Waouh. Ça va super vite. Enzo, 8 ans, perd le contrôle du véhicule, là.
L'espoir est permis, je suis le héros du film, laissez-moi gagner, premier. Il est juste à côté de toi. Il veut me taper, je l'entends. Le boost. Et je l'entends, il est juste derrière moi, ce fou. Ah, oui. C'est scripté, je crois. Taisez-vous. Laissez un enfant savourer sa victoire. Regarde, il faut le robot. Quel robot? Bah ça me dit un autre personnage. Bah oui, c'est 3PO, bah il est où? Il est où le con? Putain, il est pas là. Il est pas là, il est en construction à ce moment du film. Ok, l'expert. Excuse-nous, hein. Non mais les gars, c'est pas du tout dans la bonne temporalité, en fait. Bah vous savez ce que je vous dis, les puristes? C'est Malfoy, hein. Carrément, ouais. Moi, je m'appelle Malfoy. Drago, Malfoy. Tiens, Palpatine. À ce moment-là de l'histoire, tu ne sais rien, il est gentil. Alors, t'as déjà l'air méchant, Palpatine. Oh, pardon. Alors là, Allez hop. Oh, le taquet dans la nuque. Vous devenez jamais méchant, Palpatine, hein. Je vous ai à l'œil. Ah oui, ça se trouve, c'est moi qui l'ai rendu méchant, Palpatine. Parce que je lui ai tapé dans la nuque. Bah oui, tu l'as mis 3-4 coups dans la tronche, il s'est dit, bon, allez. Et il a un instinct de vengeance, maintenant. Il y a un gars dans le chat qui a dit... La princesse Amidala, Lego ou pas, je lui fais un boulot là. Lego ou pas. Ils l'ont bien réussi, hein, putain. Lego. Alors là, Lego ou pas. Je suis la reine Amidala. Oh, c'était elle. Elle avait complètement une autre apparence. Tu te souviens, tu m'avais dit. Oh, le délire. Les scénaristes, ils ont pris de la drogue ou quoi. Elle s'est tirée par les cheveux, putain. Le scénariste se sent pas son que la drogue. Putain, ils sont comme ça, les scénaristes. Oh, putain. Better Call Maul. Je l'ai. Alors là, je l'ai. Alors là, vous pouvez dire ce que vous voulez. Vous pouvez. J'en ai rien à foutre. Moi, je l'ai en tout cas. J'ai compris. J'ai rigolé, ok. Putain, ça fait 2 heures que j'ai rien compris. Putain, mais là, j'ai compris. Oh là là. Eh ben, Lego Star Wars, la saga Skywalker n'a rien à envier à Elden Ring. Notre mentor, Qui Jong. Qui Jong. Oui, maître. Maître Qui Jong. Une fois, j'ai acheté des merguez, ce que je ne faisais jamais à part quand il y en a dans un barbecue. J'ai pris des merguez, je les ai mangées et j'ai eu envie de vomir tellement c'était gras. Voilà. Merde. Et maintenant, j'aime plus les merguez, je suis dégoûté. C'était des merguez de chez le charcutier. Non, des merguez de piètre qualité. Faut pas faire ça. Je suis dégoûté, voilà. Ne faites pas ça, mangez seulement des bonnes merguez. Ouais, pourtant les merguez c'est bon. En vrai. Ouais, bah ouais, c'est bon. J'ai chié dans la colle. Nique ta mère, Anakin. Lol, elle va mourir, la mère d'Anakin. Lol, ta mère la pute, elle va mourir. Dommage. Donc il y a 9 épisodes, alors que chaque épisode est rempli de choses annexes. Ah, il y a du contenu là. Qu'est-ce qu'on fait si on veut profiter de tout ça? On va sur l'Epic Game Store, on utilise le code créateur ou en kill et on se régale. Donc le lien, il y a juste à cliquer dessus, il est juste là. Il y a qu'à cliquer. Et qu'est-ce qu'on a appris? Les merguez, c'est le charcutier, pas au Leclerc. Je vois bien les bonnes boules blanches de gras. Parsemé dans ta merguez. Ouais, vraiment. Enfin, en plus, je me suis dit, cool, je mets rien dans les pâtes, je vais utiliser la sauce, le gras des merguez. Bah, pas une bonne idée. Oh, ouais, tu me jettes pas le gras des merguez, là, c'est le meilleur. Ah, ouais, non, franchement. Tu vas finir comme Valouz avec des problèmes de cœur. Faut savoir que Valouz, il buvait plus de 30 litres de jus de merguez par jour. Tu vois ça, 10 ans, tu le payes. Ouais, entre quelques dégustations de burgers, on raconte qu'il mangeait la graisse des merguez. Et voilà, donc, si tu veux pas finir comme ça, attention.